Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Je crois que cette semaine, c'est vous qui traitez un sujet sur... Alors, un nom de domaine, quicksilverstore.com. Quicksilverstore, tiens, c'est intéressant. C'est une décision dont l'objet, en fait... Enfin, je vais orienter la problématique sur la capacité du demandeur. Quicksilverstore.com, on a de suite identifié la marque, et on se dit, bon, rien de très nouveau, ils vont gagner l'affaire, ils ont demandé le transfert du nom de domaine, et ils l'ont obtenu, et ben non. C'est pour ça que cette décision m'a intéressée particulièrement. C'est-à-dire que quelqu'un a pris quicksilverstore.com et en fait Quicksilver essaie de récupérer son nom de domaine, c'est ça? Voilà, alors Quicksilver, disons, j'oserais dire, un des émissaires de Quicksilver, donc un licencié de Quicksilver qui a engagé cette action, IDRP, qui a donc apporté des preuves pour remplir les conditions qu'on connaît. Et la problématique, en fait, tient au lien qu'il peut exister entre le propriétaire de la marque, légitime à demander un transfert de nom de domaine qui est identique et qui comprend sa marque, et le licencié. En principe, quand on engage des actions en général et ce type d'action, on doit préparer son dossier, mais il peut arriver qu'on omette certaines choses ou qu'on soit peut-être un peu trop sûr de soi. Et c'est peut-être ce qui est arrivé à ce licencié, bon, on ne connaît pas les dessous de l'affaire non plus, mais donc c'est le licencié qui s'est retrouvé à engager une telle action. Il a évidemment soumis des documents comme quoi la marque existait, ça n'a pas de souci, et il a dû prouver le lien qui existait entre la société Quicksilver et lui-même. Il a donné des documents qui prouvaient qu'il était licencié, qu'il avait le droit d'utiliser la marque, mais uniquement en Europe et uniquement pour certaines activités. Et en fait, là, le panel lui a dit « Bon, bah, on va utiliser un petit peu tous les documents, et puis vu que vous demandez le transfert du nom de domaine, on va d'autant plus être attentif en fait à la nature de ces documents. » L'examinateur a analysé un petit peu les documents qui lui étaient soumis et s'est dit « Bon, bah, en fait, c'est insuffisant. C'est insuffisant, on n'a pas de preuves tangibles du lien qui existe entre la société Quicksilver et vous. Et en plus, ce lien paraît d'autant plus apparemment insuffisant en fait. » Et donc, ce licencié qui voulait obtenir légitimement le transfert d'un nom de domaine, vu qu'il utilise Quicksilver en Europe, voulait obtenir le transfert de son nom de domaine. Mais en fait, il s'agit d'un .com. Et donc, le .com ouvre des droits généraux, je dirais, peut-être que la solution aurait été différente si ça avait été uniquement un .eu, mais là, on est dans un .com, donc il y a une vision plus internationale. Et donc, le panel dit, bah, si je donne ce nom de domaine, que je le transfère, en fait, au demandeur, qui est peut-être les... Enfin, dans l'idée, oui, on voit bien qu'il y a une reprise à l'identique de la marque. Finalement, j'ai placé ce nom de domaine entre les mains de quelqu'un qui n'est pas légitime à recevoir ce nom de domaine parce qu'il n'est pas le propriétaire de la marque, mais uniquement le licencié. Donc en fait, l'idée dans ce genre d'affaires, c'est c'est important, s'assurer qu'on a bien la capacité et qu'on est bien légitime à engager une telle action. Donc il faut bien préparer son dossier et pas dire bon bah voilà, là c'est clair que Quicksilverstore.com c'est la reprise à l'identique, je vais gagner. Non, il faut vraiment s'assurer que tous les points et toutes les conditions sont remplies, et notamment celle-ci. D'accord. Donc en l'occurrence, quand on est je dirais licencié d'une grande marque, finalement on peut très bien prendre ce nom-là, rajouter ce qu'on veut derrière. Exploiter cette marque. À partir du moment où le propriétaire de la marque l'autorise. Alors, en fait, le demandeur n'a pas réussi à prouver qu'il avait eu l'autorisation de Quicksilver. Être propriétaire de ce nom de domaine. À la limite, peut-être que s'il n'avait pas demandé le transfert, mais demandé l'annulation du nom de domaine, il l'aurait obtenu. Mais en tout cas, il n'avait aucune légitimité à être propriétaire du nom de domaine. Donc, on se demande un peu pourquoi ce n'est pas directement Quicksilver qui a attaqué. Oui, d'accord. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, finalement, une affaire qui se finit mal, alors qu'a priori, tout partait pour qu'on obtienne le transfert. Très bien. La semaine prochaine, on est dans quoi sur... On repart un petit peu sur les questions d'hébergeurs la semaine prochaine. D'accord. Très bien. Parfait. À la semaine prochaine. Merci.